t'es un des membres du jury pour que nous puissions avoir les résultats ou les premiers résultats sur ce podium. Recevoir donc les noms des six candidates et c'est bien qui seront sûr. retenues pour continuer cette belle aventure. Merci donc d'applaudir très fort pour le membre du Monsieur jury qui Chichi avance Africa. vers nous. Chichi Africa. Le travail n'est pas aisé, nous en sommes conscients. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Nous recevons donc les noms des six candidates retenues. Est-ce qu'on peut applaudir pour les membres du jury? Cela tâche, franchement, quand on voit les belles, enfin, les merveilles qui arrivent, qui sortent, nous comprenons donc que le travail a été assez difficile. Alors, ce ne sera pas dans l'ordre de mérite, mais on les appelle quand même, les six candidates sur cette scène. Toutes les fois qu'on va les appeler, merci de leur montrer que vous êtes là pour elles. Merci, Monsieur Chichi Africa. Alors, la première candidate que je vais appeler A mêlée sur cette scène. A mêlée sur cette scène! la seconde candidate, telle est qui va rejoindre donc Amélie les six est-elle? candidates qui poursuivront cette aventure. Voilà. Merci de vous mettre au devant de la scène. Troisième candidate, Sedami. Sedami, troisième candidate à rejoindre cette scène pour la suite de l'aventure. Et la quatrième candidate à continuer cette aventure, Kosiwa. Merci donc de les ovationner. Voilà. Sika, cinquième candidate à continuer cette aventure. La dernière candidate, la sixième et dernière candidate, HK. Est-ce qu'on peut les ovationner? Merci au jury qui continuera de faire un travail formidable. Merci également aux candidates présélectionnées déjà ce soir. Et on va faire des ovations pour les candidates qui ne sont pas sorties des coulisses, mais qui n'ont pas du tout démérité, s'il vous plaît. Merci de les ovationner. La route a été très longue. Elles ont jusque-là. Nous leur disons félicitations. Alors, elles vont retourner dans les coulisses. Et nous revenir sous la houlette de Elisabeth pour une autre phase de questions. Merci de les raccompagner. Régie? On dirait que vous êtes fatigué. Est-ce que vous êtes fatigué? Ah, où le vent de la mer vous berce. Est-ce que le Togo est là ce soir? Est-ce que les Est-ce que le Togolais Bénin est là peuvent ce soir? applaudir? Est-ce que les Togolais peuvent applaudir? Tekari. Est-ce que le Bénin est là ce soir? Metelemi. Milofinumia. Mibodon Horebo. Miadoum Yami Tekanine. Est-ce que le Bénin est là ce soir? Mikwabo. Bon, il paraît que quand on veut se dire des secrets, il faut parler en langue de chez nous. D'accord. Togotom Ilia. Oladoumiadia. Oladoumiadia. Mais tu es la Togotom mirofine. Ilia. Mekeladoudio. Mais tu es la mirofine numia. Ah, n'est-ce pas? Ah, et t'es gardé.
Alors, le Togo, le Bénin, c'est l'Afrique qui gagne. Nous allons donc recevoir Elisabeth Apompa pour la phase des questionnaires. Merci de la recevoir. Alors, Elisabeth? Waouh! Oui. Je pense que on doit déjà dire félicitations aux membres du jury. Félicitations pour les 6 retenus pour l'instant. Nous allons donc continuer le travail pour aboutir à la sélection de notre nanagan de ce jour. Celle qui aura la mission d'accompagner KDEA Pro, les activités de formation sur le terrain pour l'année 2022. Je vais déjà les rappeler une à une. Je vais déjà prendre la liste. Les 6. Les 6 candidates qui vont monter Edwige, encore tu vas sur m'aider, cette scène. Oui. Le temps de rappeler les lots ce soir. Rappelons que la Nanagan repart ce soir avec une enveloppe de 400 000 francs CFA, un billet d'avion Lomé-Abidjan-Lomé, une nuit à l'hôtel Petit Bruxelles, cet hôtel qui nous accueille ce soir. Merci de faire des ovations pour l'hôtel, pour toute l'équipe. Merci également aux bijoux. Je rappelle, pardon, les lots. Ce soir, une enveloppe de 400 000 francs. Un billet d'avion Lomé-Abidjan-Lomé, une nuit à l'hôtel Petit Bruxelles, des bijoux de Créator, un lot de pagne de la maison Vlisco, lot de pagne offert par les Nana Buns, un bon de 1 an de gestion réseaux sociaux offert par Sigma Corporation. Voilà le lot de la Nanagan 2021. La Nanavie, la première Nanavie, a une enveloppe de 250 000 francs CFA, lot de pagne de la maison Vlisco, des pagnes Chigan. Nanavie 2 repart avec une enveloppe de 150 000 francs, lot de pagne et voilà, d'autres avantages également qui accompagnent. Nous rappelons également que Sunu Assurance offre également un lot aux nanas ce soir. Premier concours de, d'élégance et de valorisation de la femme africaine. J'appelle la candidate numéro 2. Elle fera le tirage au sort. Elle va sélectionner sa question. La question. La digitalisation et entrepreneuriat. De nos jours, on n'est pas obligé de se déplacer pour vendre ou faire son travail. Avec Internet aujourd'hui, il est possible de vendre à quelqu'un qui est à des milliers de kilomètres de nous. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui nous aide de nos jours. Il est important que homme ou femme ait un travail à faire afin d'avoir une indépendance financière. Merci. Merci, candidate numéro 2. Est-ce qu'elle a émerveillé des gens par ici? Voilà, des applaudissements pour notre candidate numéro 2, candidate numéro 6. Est-ce qu'elle est prête? Numéro 3, ok. Je sens de la timidité, pourquoi vous ne l'ovationnez pas? Elle arrive, c'est une reine, voilà. Candidate numéro 3. Bonne chance. En tant que femme ronde, nous devons surveiller notre alimentation afin que nous prenions plus de... La question déjà. La question était atelier santé et alimentation. D'accord. Alors, en tant que femme ronde, déjà, nous devons surveiller notre alimentation pour que nous prenions plus de poids.
Et toute personne ici présente doit veiller à s'alimenter correctement pour qu'ils ne prennent pas des maladies chroniques et tout ce qui va avec. Et sur ce thème également, je tiens à vous dire qu'il est important de ne pas dépasser son alimentation. Merci. Merci beaucoup. Vous sentez que le vin commence par vouloir aussi répondre à mes questions. Candidate numéro 6. Elle viendra pour le tirage au sort nous dire ce qu'elle a retenu du thème qu'elle aura choisi. Je rappelle qu'elles ont reçu des formations. En réalité, elles maîtrisent assez de sujets. Et c'est pour ça qu'on est fiers de l'organisation de Nanagan, parce que c'est aussi des séries de formations pour outiller les candidates. La question. Entrepreneuriat et la consommation locale. Mesdames et messieurs, rebonsoir. Aujourd'hui, nous constatons que nous sommes plus habitués à consommer les produits qu'on nous envoie de l'extérieur. Mais à la façon où vont les choses, surtout avec la COVID-19, il est préférable que nous commencions à privilégier les aliments, les produits qui sont fabriqués, qui sont cultivés chez nous. D'abord, pour contribuer à l'avancée de l'économie de notre société, de notre Afrique, de notre Togo, de notre Bénin, contribuer en entreprenant. Nos entrepreneurs pourraient aujourd'hui commencer à privilégier les produits qui sont fabriqués dans leur pays, dans leur secteur, les cultivateurs, ceux qui n'utilisent pas de produits chimiques pour planter, par exemple, le maïs, les ananas que nous aimons tant, que nous aimons consommer, qui sont assez gros, que nous privilégions, au lieu de privilégier ceux qui sont vraiment sans produits chimiques et qui, en premier lieu, contribuent à notre bonne santé. Donc, aujourd'hui, nous, en tant qu'entrepreneurs, moi, en tant qu'entrepreneur, je choisis de privilégier les produits qu'on fabrique chez moi, dans mon alentour. Dans le jardin d'à côté, je préfère les salades qui sont cultivées là, les carottes qui sont cultivées là, et je contribue ainsi à l'avancée de mon économie et aussi à ma bonne santé et à la bonne santé de ceux qui m'entourent. Je vous remercie. La séduction est de taille ou pas? D'accord. Candidate 7. Candidate numéro 7. La question. L'entrepreneuriat et la consommation locale. L'entrepreneuriat, un sujet à qui nous tous nous adonnons maintenant. Et la consommation locale, il s'agit de quoi? Il s'agit de consommer les produits de chez nous. C'est-à-dire, nous cultivons les maïs chez nous. Nous devons consommer le maïs qui vient du Togo. Nous devons arrêter d'exporter des produits. Nous devons arrêter de consommer des produits exportés. Les blés, nous devons les arrêter, plutôt consommer, favoriser la consommation locale. Consommer les ignames de chez nous, consommer les ananas, les fruits, spécialement les jus de fruits naturels de chez nous. C'est vraiment un enjeu qui suit la consommation locale. Parfois, nous voyons le prix
qui est de la grande taille que nous ne pouvons pas s'adonner. Je fais appel au public, je fais appel à l'État présent d'accompagner les jeunes entrepreneurs qui se donnent à fond pour la consommation locale, de les aider dans la transformation des produits de chez nous. Également, la qualité. Oui. J'invite les jeunes entrepreneurs de chez nous de se donner à fond pour nous offrir des produits de qualité parce que la santé, ça passe par ce que nous mangeons. Merci beaucoup. Merci, candidate numéro 7. Candidate numéro 9 pour la suite. Elle viendra pour son tirage au sort choisir sa question et nous donner sa réponse. Des applaudissements, s'il vous plaît. On l'encourage le temps qu'elle arrive. La question. Les valeurs africaines. Ce soir, j'aimerais vous parler des valeurs africaines. Bon nombre pensent que nos traditions sont moins importantes. Nous nous fions plutôt vers les autres traditions. Nous oublions nos traditions, mais ces traditions, entre-temps, ont servi à nos parents. Ce soir, j'aimerais vous rappeler vos traditions, nos valeurs africaines. Ces valeurs qui nous protègent de tout, ces valeurs que nous devons mettre en avant partout où nous allons. Ces valeurs, oui, ces valeurs. Ce soir, j'aimerais vous rappeler que nous ne devons pas laisser nos origines pour les origines d'autrui. Nos valeurs, elles sont très importantes. Je vous remercie. Merci. La dernière candidate numéro 10. Si la candidate 9 vous a émerveillé, merci s'il vous plaît de la raccompagner avec vos ovations. Candidate 10. La question. Valeurs africaines. De nos jours, nous avons tendance à oublier les valeurs africaines de chez nous. Et nous nous habituons plus aux coutumes d'autres pays, pour ne pas dire d'autres continents. Par exemple, chez moi, pour saluer une grande personne, on s'abaisse pour le saluer. Mais de nos jours, les jeunes, même des aînés, préfèrent plutôt tendre la main à d'autres personnes pour les saluer. Donc, nous devons essayer de mettre en valeur nos valeurs africaines, s'assumer et ne pas critiquer la religion des autres. Il est important d'assumer son teint également, ses cheveux et aussi être ouvert d'esprit parce que cela permet d'accepter l'autre et ses différents, d'accepter également d'entrer dans d'autres coutumes, malgré que ce soit également des valeurs africaines, nous devons tout faire pour les maintenir et essayer de les apprendre aux générations futures. Merci. Merci à la candidate numéro 10. Nanagan, c'est l'événement qui met véritablement en valeur la femme africaine. Ces femmes qui sont, oui, rondes, chic, élégantes et belles. Si vous avez remarqué des femmes belles, chic et rondes ce soir, s'il vous plaît, on va encore une fois les ovationner pour le courage, l'acceptation des formations, parce que la preuve, elles ont quand même réussi à nous impressionner à travers leur speech. C'est vrai ou pas? Est-ce que vous êtes satisfait et émerveillé ce soir? Je n'entends pas. Oui? D'accord.
Merci de faire également des ovations pour elle, s'il vous plaît. Merci, Elisabeth. Alors, Mina, on se retrouve sur cette scène. Exactement. C'est vrai que les cœurs battent déjà parce que nous tirons lentement mais sûrement vers la fin de cette compétition, on va l'appeler ainsi, même si nous sortons tous gagnants, puisque nous sommes des Africains. Je voudrais à présent qu'on invite, Mina, si tu le permets, le comité d'organisation de ce concours Nanagan. Alors, ils ont mis en œuvre leur talent, leur intellect pour nous donner ce beau spectacle. Nous allons donc inviter ici le comité d'organisation de ce grand événement qui nous rassemble ce soir. Voilà. Si vous commencez par les ovationnistes, qu'ils vont déjà. Est-ce qu'on peut déjà leur dire merci? Merci. Par des applaudissements. Merci au comité d'organisation. Oui. Parce que c'est vrai, on vous offre un beau spectacle, mais derrière, c'est un trop gros travail qui s'est abattu. Voilà, merci à la présidente du comité d'organisation, KDA, qui, malgré le petit bobo au genou, tient quand même le coup. Belle et brave ce soir. Alors, je vais dire merci à Cafui, qui derrière a assuré la liaison. Voilà, qui est d'ailleurs le directeur artistique de cet événement. Je vois également... Alors, est-ce qu'on peut les applaudir pour les recevoir? Je vois également Antoine Colibénisson. Side by F, la conseillère en image de cet événement. Le comité ne va pas monter sur ce podium coloré qu'il reste juste là pour passer le message. La magnifique, qui est magnifique. Es-tu? On peut applaudir très fort. Alors à l'écran, on peut voir toutes ces personnes qui ont travaillé dans l'ombre pour vous offrir ce beau spectacle. Comme je le disais tantôt, c'est la convergence de plusieurs intellects, plusieurs talents. Mesdames et messieurs, rebonsoir. Nous tenons spécialement à remercier tout le public, mais particulièrement des femmes qui nous ont accompagnées le long de cette deuxième édition. Et pour cela, nous voulons les nommer ambassadrices mérite de Nanagan 2021. Avant cela, je voudrais tout particulièrement remercier Madame Ataï, Platine Communication, pour toute l'assistance qu'elle nous a portée tout le long de cette événement qui a permis de pouvoir avoir des panneaux dans toute la ville. Je voudrais appeler ici Madame Kaïdobé. Vos applaudissements, s'il vous plaît. Madame Kaïdobé. Madame Kaïdobé, ambassadrice émérite Nanagan 2021. Elle est là, Madame Kaïdobé, magnifiquement drapée ce soir. Princesse. Ambassadrice émérite Nanagan 2021, merci de faire des ovations pour elle, s'il vous plaît. À ses côtés, je voudrais appeler Madame Ataï,
Edwige. Une dame qui n'a pas cessé de nous aider depuis le début. Par ses conseils, par son investissement personnel pour que cette soirée soit une réussite. Madame Edwige Ataï, est-ce qu'on peut applaudir très fort pour la recevoir? Voilà, mesdames et messieurs, les deux ambassadrices émérites. On ne les a pas choisies par hasard. On les a choisies parce que dès que ce concept est né, elles ont voulu être avec nous. Ça va, ça avance. Est-ce que tu as trouvé des sponsors? Bon, écoute, je vais essayer de voir telle personne. Chacune a fait ce qu'elle peut. Et pour nous, au comité, ça compte beaucoup. On voudrait que vous puissiez les ovationner. C'est en partie grâce à leur soutien moral et tout leur investissement qu'on est là ce soir. Merci beaucoup, chères ambassadrices émérites. Nanagan 2021. Merci à nos ambassadrices. Est-ce qu'on peut les ovationner? Madame Edwige Ataï, Madame Kaïd Aubin, qui sont aujourd'hui les ambassadrices Nanagan. Des applaudissements beaucoup plus nourris, s'il vous plaît. Bonsoir. Merci d'être là ce soir. Par ma voix, je voudrais remercier toutes les personnes qui nous ont aidés à réaliser ce beau travail. Effectivement, ce que nous avons fait ce soir, c'est pas uniquement montrer la femme ronde, c'est montrer aussi que la femme ronde est une femme normale, est une femme qui a toutes les potentialités de toutes les femmes. Et pour le travail qu'elles ont fait pendant des semaines, c'est pour leur montrer à être elles-mêmes, à être valorisées, être sûres d'elles. Et c'est ce qu'elles nous ont montré ce soir. Nous espérons que les trois personnes que nous allons choisir, que nous avons choisies, la présidente, du moins celle qui est Nanagan, et les deux Nanavi, seront heureuses et pourront travailler avec la présidente du comité, Madame Kadea, et que l'année prochaine, vous serez heureux et long. Et vous serez heureux de nouveau et nombreux pour que la fête soit belle. Nous vous remercions encore une fois et bonne soirée. Cher public, bonsoir. Chers compatriotes togolais, bonsoir. Chers frères béninois, chères sœurs béninoises, bonsoir. Vous allez sentir de l'émotion dans ma voix parce que cette dame qui est à côté de moi, c'est la dame des surprises. C'est la seconde fois qu'elle me surprend agréablement. Je dirais que dès que j'ai appris que ma sœur s'est lancée dans une nouvelle aventure dans la seconde édition de Nanagan, je me suis rapprochée d'elle parce que je sais que ce n'est pas facile. Aujourd'hui, nous sommes là, nous apprécions une très belle soirée et tout ce qu'il y a eu derrière comme machine, comme ressources humaines, comme stress, c'est inimaginable. Donc, je voudrais qu'on l'ovationne. Je voudrais qu'on la félicite. Je voudrais qu'on lui jette des fleurs parce qu'elle le mérite grandement. Parce qu'aujourd'hui, dans notre contexte, dans notre nouveau contexte, on commence à peine à s'habituer à ce nouveau contexte sanitaire. Se lancer dans une telle aventure, c'est quand même osé, c'est audacieux, c'est ambitieux. Et ça, c'est la vraie Nanagan, c'est la Nanagan super numéro un. Donc, je voudrais la remercier très humblement de m'appeler à ses côtés. Et ce soir, je peux dire que je suis aussi une Nanagan en miniature. Et je voudrais lui dire ici qu'elle peut toujours compter sur moi parce que je sais qu'elle fait un travail formidable. J'ai suivi tout à l'heure toutes les candidates avec les sujets qu'elles ont développés. On sent que ce n'est pas du vent, il y a de la matière derrière. Donc, c'est un projet qui sera pérenne, ça, c'est sûr.
et elle peut toujours compter sur moi. Merci. Merci, ma sœur. Merci donc d'ovationner nos ambassadrices. Je rappelle les noms, Madame Kaï Dogbe et Madame Edwige Ataï, qui, je rappelle, est la présidente du jury de ce soir. Est-ce qu'on peut les raccompagner, s'il vous plaît? Nous raccompagnons par la même occasion le comité d'organisation. Merci. Grâce à eux, nous passons une excellente soirée, n'est-ce pas? Bénin Ville, Mifon Gandia. Wow. Mifon Gandia. Oh, apparemment. Non, c'est, non, le... c'est bon, vous y êtes. Ben, ils répondent là. Est-ce que le Togo est là? Est-ce que les Togolais peuvent applaudir très fort? Donc les Béninois ne sont pas là. Bon, si vous n'êtes pas là, ok, vous êtes là. Vous êtes là. C'est bon, c'est comme le dirait quelqu'un, le Bénin, le Togo, nous sommes frères. Oui. Et voilà. Alors, comme on le dit, le Togo et le Bénin, c'est deux quartiers, hein? N'est-ce pas? C'est deux quartiers. Nous allons recevoir un artiste à présent, Edwige. Exactement, nous recevons un artiste qui est d'ailleurs l'artiste surprise de cette édition. Il est là, il est quelque part dans le public, il observe tout. C'est l'heure pour lui de monter sur cette scène. Il est adulé, très adulé du public, oui. Et surtout des femmes apparemment. Les femmes, parce que nous, quand on chante l'amour, ouais, quand on chante la douceur, ouais, alors, ce soir. Il s'inscrit dans un style particulier. C'est vrai, il s'impose aujourd'hui. Il était en Côte d'Ivoire récemment pour une grande tournée. Et juste après, il nous sort une bombe, je veux dire. Alors, quand on dit « La maladie d'amour est comme ça », ah non, vous n'avez même pas. Il est dans le public. Si on ne le reçoit pas convenablement, il ne viendra pas. Vous n'avez même pas de jolie voix. On va reprendre pour voir. Allez-y. La maladie d'amour est comme ça. Hey, la maladie d'amour est comme ça. Merci de recevoir Centrinos. Centrinos Raphaël, est-ce qu'on peut le recevoir comme il se doit? Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour ce talent togolais? Aujourd'hui, il fait la fierté du Togo partout où il passe. Recevons Centrinos Raphaël. Merci de m'assurer maintenant parce que quand vous allez le voir, j'ai bien envie de dire le roi Centrinos Raphaël. On le reçoit avec tout le respect qu'il faut, le roi Centrinos Raphaël. Alors, est-ce qu'on peut faire un petit jeu? À chaque fois qu'il fait un pas, on applaudit. À chaque fois qu'il fait un pas, on applaudit. Est-ce qu'on peut le faire ensemble? Allons-y. Amoureux de la béninoise, togolais que je suis. De la ronde ma de fond béné, bagnabe béné, vie et mouni. Né de papa béninois. Oh. Chori vigné, chori vigné. Oh, m'le mot, il a pas d'autre dit. Chori vigné, chori vigné. Fite à nono, la vie va l'autre pas. Chori vigné, chori vigné. Fite tout au nono, fite au cerf à l'ouïda. Né le grand ouïda. Né le grand ouïda, wane adona. Applaudissez pour vous, la famille, vous êtes formidables. Merci beaucoup. C'est un réel plaisir, un grand honneur pour moi d'être parmi vous ce soir. Ça fait toujours chaud au cœur de voir de tels événements qui mettent en valeur la femme africaine. Je tiens à dire félicitations aux organisateurs. Que Dieu vous bénisse
Et vous aussi, cher public, et tous les sponsors qui sont là pour cet événement. Que Dieu vous bénisse également. Merci. DJ, lance le morceau, s'il vous plaît. Et oh, yeah. Maladie d'amour. On y va, la famille. Quand ça nous pique, ouais. Quand ça nous pique, plus rien d'important, plus rien d'inquiétant. La maladie, la. On a la joie de vivre, on a la joie de vivre, on se laisse emporter par le vent, on ne voit pas passer le temps. La maladie, la vie, la vie. Engelele, engelele, dingele, gengela, dame, ouais. Dingele, gengela, dame, ouais. Engelele, engelele, dingele, gengela, dame, le 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 gengela. La maladie d'amour est comme ça. Tu es très content et tu souris soleil. Ah, la maladie d'amour est comme ça. Tu es très content, et tu souris soleil. On y va, la famille. La maladie d'amour est comme ça. Tu es très content. Très content et tu souris. On y va. C'est quand tu n'es pas là. Quand tu n'es pas là, mon bébé, je ne mange pas. Oh, viens me voir. Oh, mon bébé, viens me voir. Vous êtes formidable. Quand tu n'es pas là, mon bébé, je ne mange pas. Quand tu n'es pas là, mon bébé, je ne mange pas. Oh, viens me voir. Oh, mon bébé, viens me voir. Ça, tu es très content et tu souris soleil. La maladie d'amour est comme ça. Tu es très content et tu souris soleil. La maladie d'amour est comme ça. Tu es très content et tu souris soleil. Merci beaucoup, la famille. Vous êtes formidable. Babouidab. Est-ce qu'on peut applaudir comme il se doit Santrino Saint-Raphaël? Je le disais, aujourd'hui, il fait la fierté du Togo partout. Santrinos? Oui, merci. Je ne vous coupe pas. Venez. Tout le monde a son temps de gloire. Attendez. Je profite de mon temps de gloire. Mon frère, il faut te poser, on va snapper un peu. Dabé. Mon frère, il faut sourire dedans, faut pas, on va dire, je t'ai forcé. Hein. Vous me voyez ça? Des choses de la gloire. Applaudissez les gens. C'est la maladie d'amour. Merci la maladie d'amour. Merci de nous accompagner. Et quand on a la maladie d'amour, c'est normal. On doit sourire. En tout cas, il emballe les cœurs. Et c'est un plaisir de l'avoir sur cette scène ce soir. Nous tirons lentement, mais sûrement vers la fin de cette célébration. Et de plus en plus, les cœurs battent. On se demande qui remportera la couronne ce soir. Mina l'a dit, en 2019, c'était la première édition. Et c'est le Bénin qui a eu ce sacre. Alors, cette année, est-ce que ce sera encore le Bénin ou le Togo? Ou le Togo. J'ai bien envie de dire, j'aime le Bénin, mais mon cœur est au Togo. Est-ce qu'on peut applaudir pour moi? Non, on t'a provoqué, Dvi. On peut faire ça. On peut faire des choses comme ça. Est-ce que les Togolais peuvent applaudir? On est là ou on est là?
On est là où on est là. Est-ce qu'on peut applaudir très, 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 très fort? Hé, monsieur l'ami, mami, oui. Ah, bye bye. Non, il y a des aigris par ici. On ne part pas. On ne bouge pas. Est-ce que les bénévoles sont là? Attends, voilà. Mais les nouvelles, ne mettez pas vous là. Mais quand on a mis 8 à quoi, on a mis un bénévole. Oh, Est-ce que les Togolais sont là? Est-ce que les Togolais sont là? Nous recevons le Bénin. Nous aimons le Bénin, n'est-ce pas? Mais nos cœurs sont où? Mais nos cœurs sont où? Qui gagne ce soir? Qui gagne ce soir? Est-ce qu'on peut applaudir pour cette affirmation? Est-ce qu'on peut applaudir pour cette affirmation? Est-ce que les membres du jury sont prêts ce soir? Ou on vous accorde encore un peu de temps? Alors, en attendant, on rappelle les prix à gagner ce soir. Donc, à gagner ce soir, le prix de la Nanagan, une enveloppe de 400 000 francs CFA, un billet d'avion Lomé-Abidjan-Lomé, une nuit à l'hôtel Petit Bruxelles, des bijoux de créateur, un lot de pagne de la maison Visco, un lot de pagne offert par les Nanabins, un bon d'un an de gestion de réseaux sociaux offert par Sigma Corporation. Nous allons remercier nos sponsors à travers cette bande promo. Merci. Ces sponsors et partenaires, vous, vous ajoutez, parce que vous êtes là ce soir, vous êtes nos plus gros partenaires. Merci de votre présence. Nous invitons les membres du jury pour les résultats. Nous rappelons donc que les membres du jury sont composés donc comme suit. Manouchka Shams, Doumbia Drissa Abdoulaye Junior, Fadoua Absi, Mathias Fanro et la présidente du jury, Edwige Santana, épouse Ataï. Voilà, nous invitons les membres du jury ou un membre pour le résultat final. En attendant, je... Les candidates, est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Et en attendant, je rappelle donc les prix. La Nanavi numéro 1 aura donc une enveloppe de 250 000 francs, un lot de pagne de la maison Vlisco, des pagnes Chigan. La Nanavi numéro 2 aura une enveloppe de 150 000 francs,
et un lot de pagne. Et bien évidemment, d'autres lots surprises. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que le Togo est prêt? Est-ce que le Bénin est prêt? Enfin, elle a compris que nous sommes ensemble. C'est l'Afrique qui gagne. Est-ce qu'on peut applaudir pour cette Afrique unie et forte que nous sommes? Merci Mina, merci de revenir à de meilleurs sentiments. Je me sentais écartée. Mais bon, voilà. Si tu veux que je précise que mon cœur est au Togo, je le dirai. Alors, nous allons, avec la complicité de la régie, faire une suivre une petite vidéo qui récapitule tout ce que nous avons fait jusque-là. Le temps de recevoir l'enveloppe qui dévoile les gagnantes de ce soir. Régie. Nanagan, un concept, une vision. Dès sa première édition, ce rendez-vous culturel à portée sous-régionale a tenu toutes ses promesses de succès, soldées par l'élection d'une lauréate, une béninoise, en 2019. Ce concours d'élégance et de valorisation de la femme africaine s'adresse à des femmes rondes pour leur permettre de développer l'estime de soi et asseoir une meilleure hygiène de vie. Loin d'être une invitation à l'obésité, l'aventure Nanagan est une école pour un meilleur apprentissage de vivre ensemble, mais aussi l'opportunité d'apprendre davantage sur différents terrains. L'événement est à sa deuxième édition cette année avec la participation de 10 candidates venues du Bénin et du Togo, ce à l'issue d'un casting organisé en février 2021 à Lomé et à Cotonou, suivi du lancement officiel le 30 juillet 2021. Dès lors, des résidences ont été organisées à Lomé afin de permettre aux 10 candidates de bénéficier des différentes séances de coaching et formation. Au menu de ces résidences, des activités musicales autour du feu. Des séances photos et autres activités ludiques. Une ambiance au sein des résidences qui a permis un véritable brassage entre les Togolaises et les Béninoises. Ce soir, une Nanagan sera élue, mais chacune des candidates devra repartir avec des acquis. Élue, la Nanagan 2021 aura pour mission, entre autres, de participer aux ateliers de KDA dans le but de sensibiliser les femmes sur divers sujets les concernant. Pour cette nouvelle édition, un partenariat a été développé avec l'agence Sigma Corporation dans le but de renforcer la communication digitale de l'événement. Nanagan, un événement KDA Pro en partenariat avec Sigma Corporation. Royal Quintet est une boutique de vente en gros et au détail de tissus quintés 6 à 6 gommé, non loin de la pharmacie du Grand Marché.
InfoLine 00 228 97 77 31 31. Le suspense total. Ouais. On attend donc les résultats. Nous sommes dans l'expectative. Ce qui est sûr, ce n'est pas facile. Elles étaient toutes belles. Elles ont su bien s'exprimer. On sentait également de la confiance dans leurs yeux. Totalement. Et est-ce que le jury est prêt? Nous allons donc demander à un représentant des jurys de monter sur scène pour nous filer les résultats. Je crois que la présidente du comité d'organisation, non, la présidente du jury, je veux dire, et M. Mathias Fanro se dirige vers nous. Merci de faire des ovations également pour eux, parce que c'est une dure épreuve que de choisir des meilleurs parmi les meilleurs. On voilà. va d'ailleurs leur poser la question. Comment ils ont réussi à s'entendre finalement? Sous vos ovations, s'il vous plaît, on accueille les membres du jury Nanagan 2021. La deuxième édition. Voilà. Merci de votre galanterie, Monsieur Fanro. Bonsoir. Bonsoir de nouveau, public. Ben, nous sommes arrivés à la fin, presque. Ça a été très difficile. Mais nous avons cherché, nous avons essayé, et nous avons délibéré, et nous avons choisi. Donc, la première, la Nanagan de 2021, est Amélie. C'est pas comme ça qu'il fallait dire. Décroissant. Ah bon. Vous n'avez rien entendu. Vous n'avez rien entendu. Nous dévoilons la deuxième Nanavi pour commencer. Bon, ben, excusez-moi, je n'ai pas l'habitude. Vous n'avez rien entendu, cher public. Donc, la deuxième Nanavi, c'est Kadia. Deuxième Nanavi, elle nous vient du Bénin. Merci de faire des ovations, s'il vous plaît, pour l'accueillir sur cette scène. Nous invitons Monsieur Patrice Anaton. Monsieur Patrice Anaton, député français. Nous l'invitons sur la scène pour nous aider à remettre donc les prix pour notre Nanavi 2. Monsieur Patrice Anaton, des ovations pour lui, s'il vous plaît. Nanavi 2. On n'entend rien. Elle repart ce soir donc avec une enveloppe de 150 000. Un lot de pagne. Nanavi. Nanavi premier à Kosiwa. À Kosiwa. Nous invitons aussi Madame Johnson Faiza. Pour Nanavi 1. Johnson Faiza, Nanavi 2 de l'année 2019, la première édition, est invitée donc
Nanavi 1. Deuxième édition, candidate numéro 7. Des ovations nourries pour elle, s'il vous plaît. L'arrivée de Johnson Faiza. Johnson Faiza qui part donc, qui part la Nanavi numéro 1 de cette année 2021. Joliment drapé. Alors, c'est qui la Nanagan de cette année? C'est le Togo ou le Bénin? C'est le Togo ou le Bénin? Mais pour recevoir une reine, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'annoncer. Roulement de tambour pour annoncer la Nanagan 2021. Et la lumière fut pour recevoir la Nanagan 2021. Qui sera la Nanagan 2021? Qui sera donc sur ce siège de reine, ce trône de reine? Amélie, la Togolaise. Est-ce qu'on peut recevoir le Togo sur scène? Est-ce qu'on peut recevoir l'Afrique? On peut la recevoir comme il se doit. Recevoir la reine. La Merci reine 2021. De recevoir Nanagan 2021. Elle représente le Togo. Elle représente l'Afrique. Mais c'est l'Afrique qui gagne ce soir. Voilà, Mina. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour la reine de cette année 2021? Et donc, nous invitons Madame Kayi Dogbe sur la scène pour lui positionner la couronne. Madame Kayi Dogbe. N'arrêtons pas de la féliciter, s'il vous plaît. Continuons d'ovationner la reine de ce soir. En attendant l'arrivée de Madame Kayi Dogbe. Est-ce que nos applaudissements peuvent étouffer le tam-tam ce soir? Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour le couronnement de la voilà. Nanagan 2021? Amélie qui part donc avec la couronne Nanagan 2021.
Elle sera donc couronnée par Madame Kaï Dogbe. Des ovations. Magnifique. La couronne de la gloire. Et le Togo qui reçoit la couronne ce soir. L'Afrique qui reçoit la couronne ce soir. Notre cœur est véritablement au Togo. Est-ce qu'on peut applaudir très fort? Est-ce qu'on peut applaudir très fort? Est-ce que les Togolais peuvent applaudir? Nous allons demander à notre reine, à notre Nanagan, de nous dire quelque chose. Bonsoir tout le monde. Je remercie tous ceux qui ont fait le déplacement ce soir. Je vous remercie tous pour l'intérêt que vous avez porté à cet événement. Je remercie particulièrement Madame Kadea parce qu'elle nous a apporté tellement d'affection, beaucoup d'amour. Merci à toutes et bonne soirée. Vous avez vu la qualité de l'expression, l'éloquence. On peut trouver ça où? Chez Kadea Pro. Des ovations pour l'initiatrice de cet événement, Nanagan. Merci donc à toutes les personnes. Merci de raccompagner les membres du jury. Messieurs les membres du jury. J'espère qu'elle a été déjà félicitée par les membres du jury. Sinon, vous pouvez le faire. Bien sûr, les membres du jury pouvaient féliciter. Voilà. Je me mets où? Et tenez-vous bien, nous allons clôturer en beauté cette magnifique soirée, croyez-moi. Félicitations à toutes les candidates. Félicitations également au trio gagnant ce soir. Madame la présidente du jury a un mot à placer. Voilà. Bonjour encore et merci. Nous voulons dire à toutes les candidates qu'elles n'ont pas démérité. C'était très difficile de départager, mais ce soir, c'est Amélie. Amélie, félicitations et bon vent. Et pour les dauphines aussi, qui sait, l'année prochaine, vous serez les nanagans. Alors, du courage, travaillez et à bientôt. Bonne soirée. Merci.
Oui. Merci, chers tous, chères toutes, chers tous. Gratitude renouvelée, cher public, à toutes les présences ici ce soir. Au nom de ma chère sœur et homonyme Kaïsan, je voudrais vous remercier d'être passé, d'être resté et d'être là jusqu'au moment fatidique. Je voudrais féliciter Amélie pour sa prouesse et je voudrais lui dire en même temps que cette couronne, elle pèse de l'or. Cette couronne va peser sur ses épaules parce qu'il y a de lourdes charges derrière cette couronne. C'est un mandat d'un an où il y a beaucoup de choses à faire. Il y aura beaucoup de thématiques à traiter. Ça ne s'arrêtera pas juste aux questions que vous avez tirées aujourd'hui. Toutes les questions qui touchent à la valorisation de la femme africaine, aux droits de l'homme, aux droits. Au revoir. Merci, merci à toutes et à tous. Tout est bien qui finit bien, mais je vous l'ai dit, le vin plus qui est réservé pour la fin. J'invite sur ce podium pour clôturer en beauté cette magnifique soirée. King! Papa V! Mensa! Ambassadeur émérite Nanagan 2019. Il est là ce soir pour honorer de sa présence cette magnifique fête. Et nous invitons aussi toutes les candidates sur la scène pour le bouquet final, pour la fête. Toutes les candidates sur scène. Toutes les candidates sur scène. Et King Mensan est avec nous. Du show dans quelques instants. Du boom. Est-ce qu'on est prêt? D'accord. King Mensan. On dit quand il touche la bénédiction. Ado, voilà. Est-ce qu'on est prêt pour le show avec King Papa V Mensan? Nanagan, deuxième édition. Nous finissons en beauté. Ben,
Merci beaucoup. Waouh, waouh. Belle soirée. On dit merci donc à King Papa V Manson. Nous remercions tous les partenaires sponsors de cette édition, deuxième édition de Nanagan. Voilà, nous disons merci à King Manson, comme vous venez de le dire. Et rendez-vous le 18 décembre prochain au royaume de King Manson à Bodrafo pour le grand concert pour clôturer l'année en beauté. Le 18 décembre prochain, prenez le rendez-vous. Merci à tout le monde, merci à l'équipe organisatrice, merci à vous qui avez fait le déplacement, partenaires, sponsors, merci, merci, merci. Merci à Mina, merci à Elisabeth, ce fut un très, très beau moment. Merci à compagnie. Ce fut un plaisir d'avoir maîtrisé cette cérémonie avec vous. On se donne rendez-vous pour une édition prochaine. Portez-vous bien, nous vous souhaitons d'ores et déjà de très belles fêtes de fin d'année et une très belle année 2022. Bonsoir chez vous. Bon retour. Travailler en équipe, avoir une bonne approche, défier le temps. KDA Pro, communication, événementiel, décoration. www.kdapro-events.com +228 93 98 88 13 +229 62 90 13 75. Let's work together. Parcourir avec vous la terre de nos aïeux est notre principale source de motivation. Peu importe le choix de votre destination, T-Oil s'engage dans le travail afin que vous vous sentiez libre tout en étant enveloppé d'une chaleur fraternelle le long de votre chemin. Avec T-Oil, découvrez les richesses de notre culture et laissez-vous émerveiller par sa diversité. Vous êtes chez vous au Togo et nous, nous serons toujours à vos côtés. T-Oil, sur la route avec vous. Royal Kente est une boutique de vente en gros et au détail de tissus Kente sis à Sigomé, non loin de la pharmacie du Grand Marché. Infoline 00 228 97 77 31 31. Pour la réalisation ou la rénovation de votre site web, la conception d'applications web et mobiles pour votre entreprise en ligne pour plus de visibilité et attirer plus de clients, Spark Corporation est la solution. Spark Corporation, nous réalisons pour vous aujourd'hui vos besoins de demain.